On est là pour parler un petit peu de ma grande passion qui est le piano. Cet instrument magnifique qui est capable d'exprimer tout. C'est un instrument mélodique et harmonique, c'est-à-dire qu'il peut faire des mélodies aussi bien que des accompagnements rythmiques et harmoniques. Le piano est un instrument qui nous vient de très loin en fait. Son ancêtre est le clavecin et aussi le clavicorde, qui sont des instruments à cordes comme le piano. Sauf que le piano, il a un secret et c'est ce qui lui permet d'être si expressif. En plus, on peut aussi bien faire des mélodies que des accompagnements. Et ça, c'est génial pour jouer la musique cubaine. Le piano permet de jouer tous les styles. C'est un instrument de prestige aux possibilités d'expression infinies. Maintenant, vous savez pourquoi je l'aime tant. C'est ma grande passion et je suis très contente de partager mon amour de cet instrument avec vous. Le piano nous vient de très loin. C'est un instrument aux possibilités incroyables. En fait, il a un secret à l'intérieur de son mécanisme. Aux prémices du XVIIIe siècle, dans l'année 1700, le facteur d'instrument italien Bartolomeo Cristofori a innové dans les clavecins et les clavicordes qui étaient construits jusque-là. Parce que jusqu'à ce moment-là, la touche du clavier était reliée à l'intérieur de l'instrument, à la corde, par un simple marteau. Mais Monsieur Cristofori, avec cette innovation, il va révolutionner l'histoire de la musique. Il va intégrer à la finition du marteau un matériau extrêmement sensible qui est la feutrine, capable de traduire exactement l'intention et le toucher de l'interprète sur les touches à la corde, ce qui permet de jouer tous les styles et de manière très différente les mêmes morceaux ou de toutes sortes de morceaux. Par exemple, si j'appuie très fortement, et ben je vais obtenir un résultat. Très brillant, très profond. Si j'appuie doucement, je vais obtenir un autre résultat. Et voilà. Bienvenue dans la poésie du piano. On peut vraiment jouer tous les styles et chaque interprète peut y traduire sa sensibilité en musique. Voilà pourquoi j'aime tant le piano. Il existe aussi différents types de touchés. Par exemple, il y a le toucher staccato.
Ça donne une légèreté et le toucher les gâteaux. Ça donne des mélodies très fluides. Et ben voilà, ça aussi, ça va permettre de faire beaucoup de choses. Par exemple. Le piano il a autant sa place en tant que soliste qu'au sein d'un orchestre classique ou populaire pour accompagner un chanteur ou un ensemble de vocalistes. Hasta pronto y cuídense mucho, familia. Salsa para usar.